bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive donc ce sera du lundi 16 au vendredi 20 octobre comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets en premier je vous ai mis le petit chat tout mimi qui fait penser à une somme marie des aristochats si j'ai pas de bêtises le petit ours avec son petit cristal de roche qu'on m'a offert auquel je tiens beaucoup, beaucoup, je le trouve trop, trop choupi. Et en troisième, j'ai pas pu m'empêcher de vous sortir un gargouille du bossu de Notre-Dame. Voilà, je les ai laissés dans ma boîte toute l'année, mais là, bon, on est presque à Halloween, vous, vous m'excuserez, je peux les sortir. <laughs> déjà que j'ose plus sortir l'araignée euh, et plus trop les souris non plus <laughs> voilà alors pour les jeux qu'on va utiliser comme d'hab, l'oracle des secrets l'oracle euh, l'oracle plutôt l'oracle des secrets le magic luna les prédictions des chibis j'avais envie de reprendre l'oracle du monde d'émilie de dieu pour le tarot ben, un tarot de saison de circonstances le Jack aux lanterne et euh, un petit message accompagnateur du petit oracle du druide d'Eve Corrigan que j'aime d'amour aussi voilà Bon, du coup, je vais déballer tout ça. Euh, sinon, bah, j'espère que vous allez tous très très bien. Euh, j'espère que Sylvie-Marie va bien aussi. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus aperçue dans les commentaires. Du coup, j'espère qu'elle va bien. Que tout va bien. Qu'elle a juste peut-être débordé et qu'elle n'a peut-être pas le temps euh, de venir euh, sur euh, la chaîne. Voilà. Zouzouzou, zou, zou, je déballe tout. Euh, maintenant, on a quand même un temps... Euh... Un temps automnal. Là. là, on a vraiment euh, l'impression de plonger dans l'automne. Hein. Il fait beaucoup plus frais en journée. Euh, la nuit aussi, d'ailleurs, et euh, en journée, il y a plus de 10 degrés. Donc, du jour au lendemain, on perd 10 degrés. C'est complètement fou. Voilà. Alors. Le temps que je les ai tous sortis de leur petits pochon. De ma petite Luna. L'oracle des secrets. On dirait qu'il va pleuvoir d'ailleurs ici. Je vous fais la vidéo, on est ben, samedi et il fait tout noir. Et cet après-midi, je vous posterai la vidéo sur euh, l'oracle de Merlin l'Enchanteur euh, de ma belle Ève, qui est tout aussi chouette. Euh, J'aime aussi autant que le premier. Bon, je vais essayer de faire un tout petit peu de place. Je ne sais pas trop où je vais les fourrer. Voilà le chibila. Zou, c'est bon, on est parti avec l'oracle euro. J'espère que cette fois-ci on aura de bonnes énergies, hein. mais bon, ça me rassure. J'ai quand même vu euh, dans d'autres vidéos que les énergies étaient très lourdes. Donc je pense qu'il n'y a pas que chez moi euh, que les guidances ne sont pas si bonnes. Hein. Beaucoup de, de lâcher prise, de disputes. Euh, voilà. Le climat n'est pas top. C'est comme l'actualité. Oh, oh, oh bah ben celle-là, alors, elle a vraiment... Il euh... ben, y en a deux. Ben, on va les laisser. Du coup, elles sont vraiment sautées toutes les deux. Et vraiment par là direct. Miti, il a fait le travail pour moi. Il a placé les cartes à ma place. Incroyable. Bon. Alors, pour le petit ours. Et pour le petit gargouille. Voilà. Bon, je pense qu'en plus, j'ai nouveau pris beaucoup de jeux. Je vais encore une fois traîner un petit peu. Ouh là là, je vais faire une catastrophe aussi. Ouais, je fais un peu de place pour mettre le jeu. Mon oracle des secrets. Je vous ai laissé, euh, vous avez vu, les, les Spelliar, là de Bones Rosis. Je les trouve trop jolis. En plus, avez toujours les mêmes décos avec les citrouilles, la pomme de pin, le marron. J'aime bien. Alors, du coup, je les laisse. Hop, une ici. Hop, hop, hop. Et j'ai reçu, mais alors, plein de jeux et de livres à vous présenter. J'ai un carton entier, je crois, euh, à vous présenter. Donc, je ferai ça à mon aise. Hein. Du coup, cette semaine, Mais j'ai plein de nouveautés à vous montrer. Je suis trop contente. Et j'en attends encore, d'ailleurs. Plein de belles choses à vous faire découvrir. Je suis toujours contente quand on me dit que les gens sont contents, que je présente des jeux. Ça, ils peuvent voir le contenu et ils peuvent voir si le jeu leur plaise ou pas. Mais ça me fait plaisir de servir à quelque chose tout en partageant ma passion avec vous. Voilà. J'ai fait tomber le petit ça. Voilà. Zou. Alors, on va prendre l'oracle du monde. J'aime beaucoup ce jeu aussi, vraiment. Je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté d'Emilie de Dieu, l'oracle du monde. Il était déjà sorti quand... Mais bah c'est quand ma passion m'a rattrapée. Hein. En bah, 2012, je crois, que je me suis replongée, peut-être même un peu après. Et euh, c'est un des premiers. Oh, c'était celle-ci. Ouais. d'Émilie de Dieu pour lequel j'ai craqué. Voilà. On va prendre nos chibis zou et puis une carte du tarot et on finira avec une petite carte du petit oracle du druide oh 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 en avait aussi envie de sauter et celle-ci zou Mon lichibi, je vais les laisser là, de peur qu'il glisse. Je vais attraper. J'adore ce taro, le diacola, en train de dire, J'adore le dos. Et pour l'automne, ben Halloween, il est génial, je trouve. J'ai encore trois agendas aussi à vous présenter. Mais ce sont des agendas qui commencent en janvier. Donc je me dis, ça va, je suis dans les temps. Les autres qui commencent en septembre, je vous les ai présentés. Mais enfin, fait, il faudrait quand même que je vous fasse des vidéos pour vous les présenter hein. aussi, j'ai plein de livres aussi, oh là 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 là, à vous présenter voilà et on va prendre directement le petit message du guide comme ça je vais faire comme ça, vu que je les ai mélangés je ne regarde pas je les ai mis à l'envers, mais c'est pas grave j'adore le dos de ce jeu et là, la boîte avec ce cerf oh là là. voilà voilà Bon, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le petit chat. Alors, on a la déception, mais ben voilà, c'est elle qui avait sauté, incroyable. La déception et la montagne. Euh, ben peut-être du coup, cette semaine, vous allez peut-être faire face, euh, peut-être à des embûches, des choses qui vont vous barrer la route, euh, peut-être des petits tracas hein, qu'il faudra surmonter. Euh, et bah, peut-être que ce sera une petite déception pour vous. Peut-être vous allez être déçu. Euh, peut-être de voir que bah, certains projets n'aboutissent pas aussi vite euh, que vous vouliez. Ou qu'il y a un, bah, un, truc, euh, un, un truc qui vous barre la route. Euh, ça peut être dans le boulot aussi. Euh, un truc qui va vous. Bah, un petit caillou dans la chaussure. voyez. Oui, un petit truc qui va vous empêcher d'avancer, euh, d'évoluer. Euh, un truc peut-être. Euh, bah, qui va vous gâcher un petit peu. Euh, un petit peu le moral, entre guillemets, hein. parce qu'avec la montagne, c'est vraiment l'idée, euh, bah, comme dans le Normand, hein, des tracas, euh, des choses qu'on doit surmonter. Donc, il y a peut-être euh, bah, des choses que vous allez apprendre, qui, que vous allez devoir surmonter et qui vont provoquer malheureusement une déception chez vous. Cette carte était déjà dans la... Précédente guidance. Voilà, a le pompon avec les champignons et paradoxe, étrangeté, aporie. Euh, moi, je vous dis souvent, les champignons, euh, ça me fait aussi penser à tout ce qui est illusion, euh, tout ce qui est toxique aussi. Bon, si on parle de, de champignons vénéneux, évidemment. Euh, donc peut-être que bah, vous allez peut-être apprendre quelque chose ou, ou peut-être que vous allez euh, vous rendre compte aussi que vous vous êtes fait des illusions par rapport à quelque chose et euh, bah, du coup ce sera des obstacles à franchir et euh, ça provoquera peut-être une déception euh, ou il y a quelque chose euh, quelque chose peut-être aussi euh, de, enfin, de toxique dans, dans votre vie, peut-être que vous allez devoir passer au-dessus euh, de ce qui vous pourrit la vie entre guillemets. Hein, on vous dit peut-être qu'il va falloir euh, vous accrocher et que il va falloir, entre guillemets, grimper la pente hein, pour arriver à passer au-dessus euh, de tous ces trucs euh, un peu euh, bah, néfastes. Et euh, bah, peut-être que vous avez euh, une déception par rapport à tout ça. Moi, ouais, c'est pas très cool. Le Magic Luna nous parle de cercle amical, mais peut-être que vous allez... Euh Peut-être trouver un peu de répit, des conseils, euh, peut-être vous changer les idées avec votre cercle amical, ou alors ce sera un souci euh, à surmonter par rapport au cercle amical, peut-être une déception par rapport à un ami, à un ami peut-être un, enfin, un ami sur lequel peut-être vous êtes fait des illusions, et ben forcément ça provoque une déception quand on ouvre les yeux. Euh, il va peut-être falloir... Euh, affronter ça et passer au-dessus. Bon, ça peut être l'un comme ça pourrait être l'autre. Bon, ça peut être plein d'autres choses aussi. Ah, c'est celle-ci qui avait sauté le commencement. Euh, bah, peut-être justement en affrontant euh, bah, ces petits... Enfin, euh, en affrontant ces illusions, en ouvrant les yeux, les yeux etc. Ce sera peut-être justement euh, le, début, euh, le début de quelque chose de nouveau, peut-être euh, que vous allez vous remettre en question. Euh, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie, des choses comme ça, et ce sera peut-être le début euh, de quelque chose de nouveau, en tout cas. Voilà. Ou alors, c'est peut-être à cause de, de, de quelque chose de nouveau aussi euh, qu'il va peut-être y avoir des soucis avec euh, le cercle amical, et euh, vous allez peut-être vous rendre compte que bah, finalement, euh, ce pas des si bons amis que ça. Euh, vu que peut-être à cause du, du nouveau truc, euh, ils ne se font peut-être pas euh, une joie. Et euh, bah, ce sera une certaine déception pour vous de vous rendre compte que bah, ce n'étaient pas les amis que vous euh, aviez espéré. Ici, on a... Oh, je n'avais pas encore vu cette ci Les discussions et le partage. Ah oh, bah tiens, euh, elle va hyper bien euh, avec celle-ci, avec le cercle amical. C'est un peu le même mood. Mais euh, bah, peut-être alors... Euh... Peut-être que vous allez partager vos soucis avec vos amis. Peut-être justement que c'est des illusions par rapport à quelque chose, à un commencement, nouveau projet, etc. aussi. Et une petite déception peut-être. Et peut-être du coup que vous allez en parler avec votre cercle amical, partager ça et bon, peut-être trouver un peu de, de conseils, de répit et de réconfort auprès d'amis. Voilà. Alors ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, bah c'est elle aussi qui, qui détient le savoir, etc. Donc peut-être que justement, le fait de partager ça avec des amis, il y en a peut-être qui ont déjà vécu euh, bah cette expérience et peut-être qu'ils vont peut-être pouvoir vous apporter euh, des solutions, une certaine sagesse, etc. par rapport euh, à cette déception et à cette raka qui se pose sur votre route. Alors ici, on a le signe avec la grâce. Il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions, élève-toi au-dessus de la situation. Ben ici, on aurait l'air de vous dire euh, d'affronter euh, ben cette déception avec grâce, euh, peut-être passer au-dessus, rester stoïque, entre guillemets. Euh, peut-être aussi, euh, même si vous êtes déçu, euh, etc., que vous êtes fait des illusions, ben, peut-être euh, d'affronter ça avec grâce et peut-être de ne pas, euh, pas montrer trop que ça vous touche et peut-être de ne pas vous énerver, euh, etc. Voilà, restez, euh, je ne vais pas dire restez gracieux, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, élève-toi au-dessus de la situation, passez outre la situation en essayant ben, de rester le plus calme possible. On va passer à ceux qui ont choisi le petit ours. Alors, on a l'air de nouveau et bah, les ciseaux, chouette. L'air avec euh, bah, l'idée euh, de tout ce qui est mental, hein, euh, le, le mental, etc. Et les ciseaux avec tout ce qui est coupé. Alors, soit on vous dirait que cette semaine, il va peut-être falloir vraiment essayer de couper. Euh, de couper avec votre mental, essayer de, de moins cogiter, de moins peut-être vous rendre malade, de moins être stressé, euh, de trop penser, etc. Il va peut-être falloir couper avec ce mood-là, ou alors il va peut-être falloir couper euh, avec tout ce qui vous fait justement euh, trop cogiter, vous rendre malade, etc. Ça peut être couper des liens, ça peut être couper des habitudes, ça peut être plein de choses euh, dans plein de domaines différents. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ici on a le papillon avec. Papillonnage, légèreté et fleurs Bon, pour moi, euh, soit on vous dirait euh, que pour arrêter de trop cogiter, il va peut-être falloir. Euh Mettre un peu de légèreté euh, dans votre vie, un petit peu comme le papillon qui papillonne de fleur en fleur, hein, pour vous changer les idées, ou alors euh, comme moi je le verrais plutôt le papillon qui symbolise plutôt la transformation. Euh, peut-être qu'on vous dit que vous êtes en pleine transformation euh, dans votre vie et que justement vous êtes peut-être en train de couper des liens avec tout ce qui n'est... avec tout ce qui est toxique tout simplement pour vous et qui bah, vous, vous fait être trop dans le mental et trop cogité. Voilà, voilà, donc vous êtes peut-être en. En période de transformation, ben ici on a les secrets. Euh, peut-être que vous avez soit c'est vous qui tenez euh, des secrets, peut-être que vous n'avez pas euh, envie de divulguer certaines choses autour de vous, peut-être que vous n'avez pas envie de divulguer le fait que vous coupez euh, des, des liens, que vous faites du nettoyage dans votre vie, que vous êtes beaucoup euh, à cogiter, ou alors on vous dirait euh, peut-être aussi d'agir sans trop en parler autour de vous. Tout simplement, de peut-être réfléchir à tout ce qui est plus bon pour vous, à votre processus de changement, d'évolution, et peut-être de garder tout ça pour vous. Voilà, de peut-être pas trop l'ébruiter pour le moment décidément, ça ressort souvent hein. la lumière avec l'idée euh, bah, de mettre certaines choses en lumière, ben bah voilà. Euh, peut-être que vous êtes en train de faire le point sur votre vie et de mettre en lumière, de faire le point euh, sur tout ce qui n'est plus bon dans votre vie, ce qui est toxique, ce qui vous pourrit la vie entre guillemets, hein. et euh, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des liens, des choses à couper. Euh, surtout si vous voulez euh, ne plus euh, trop cogiter par rapport à tout ça. Et euh, en tout cas, euh, peut-être que vous les garderez euh, pour vous pour le moment. Mais en tout cas, vous allez mettre certaines choses en lumière. Vous allez peut-être aussi découvrir euh, peut-être euh, bah, des, des choses euh, qu'il va falloir euh, couper dans votre vie euh, si vous voulez euh, aller de l'avant. Ça pourrait également. Euh, les chibis, c'est marrant, elles hein, nous parlent de départ et d'aventure. Bah, la même chose, elles hein, nous parlent de nouveau départ, euh, de couper les liens pour, pour une transformation, pour un nouveau départ, une nouvelle vie, commencer un nouveau chapitre. Donc là, il y a vraiment euh, l'idée euh, qu'il va falloir couper les liens avec ce qui n'est plus bon pour vous, hein, pour, dans l'idée d'évoluer et, euh, et bah, de commencer tout simplement un nouveau départ. Voilà, Bon, ça peut être dans plein de domaines différents, mais toutes les cartes sont raccord. Le 8 de coupe ici avec euh, aussi une carte euh, qui représente les émotions. avec euh, C'est une carte où on, où on se cherche, où, où on fait de l'introspection, euh, du développement personnel aussi. Euh, ou on comprend des choses bah, sur soi, par exemple. Donc peut-être que vous allez, vous êtes peut-être en pleine introspection. Vous mettez en lumière bah, les parts sombres, les choses que vous devez lâcher pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et euh, bah, peut-être vous faites ce travail euh, sur vous. Peut-être que vous le faites dans votre coin, justement, peut-être pas envie d'en parler euh, pour justement euh, bah, commencer un nouveau départ. Tout ça colle très bien ensemble. Ici, on a le frein. soit l'artisan de ta destinée, incroyable. Si tu n'aimes pas ce que tu vis, alors change-le. Tu as le pouvoir de modifier ta perception des situations afin que tes nouvelles croyances puissent naître de nouvelles motivations. Forge ta, ta destinée selon ta volonté. Ben, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez changer votre vie. Si votre vie, comme vous la, vous la vivez maintenant, ne vous plaît plus, euh, parce qu'il y a des choses justement euh, ben, qui, ne vous, qui ne vous plaisent plus, ben, c'est à vous euh, d'entamer un processus de changement, de couper et de vous débarrasser de ce qui n'est plus bon pour vous, pour justement aller de l'avant. Voilà, donc euh, ça ne peut pas ne plus coller tout ça ensemble. Et on va terminer avec le petit gargouille ici qui s'est un peu tourné. On a euh, la ville et... Ah, le oui. Euh, ben, on a envie de dire ici, euh, peut-être que vous, si vous avez un projet euh, pour le moment, euh, quelque, chose qui, ben, quelque chose qui va très vite, hein, de rapide, etc., ben, la réponse est oui. Voilà. Euh, ou peut-être vous avez un projet qui a quelque chose qui a à voir avec la ville, mais en tout cas c'est oui. Euh, la ville c'est aussi le mouvement, hein. en ville tout va beaucoup plus vite, c'est le tumulte, on est toujours euh, occupé à, à bouger, et bien ici on vous dit que la réponse est oui. On va voir si les autres cartes peuvent nous en dire plus. La libellule, avec la transformation, la métamorphose et l'évolution. Euh, J'ai envie de dire ici, vous êtes peut-être aussi en pleine période d'évolution, euh, peut-être qu'on vous dirait que c'est justement le moment pour vous euh, de faire des choses euh, en vue euh, d'évoluer, de, de, hein, d'évoluer dans votre vie. Et euh, ben, peut-être que ce, vous êtes justement. Euh, dans un processus d'évolution, mais quelque chose d'assez rapide, une évolution qui vient peut-être très vite, euh, peut-être quelque chose qui n'était pas attendu, mais euh, quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous permet d'évoluer, euh, mais de façon très rapide. Et en tout cas, euh, c'est le bon moment pour évoluer. Donc, si vous avez des changements à faire pour vous, pour avoir des choses à transformer dans votre vie euh, pour justement euh, évoluer, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans plein de domaines différents, mais en tout cas, c'est le bon moment pour le faire, même si ça arrive très rapidement. Plus rapidement peut-être que prévu le Magic Noula nous parle de lieu de vie euh, donc ça aurait ça peut aussi avoir euh, avec euh, quelque chose qui aurait un rapport avec le lieu de vie avec le foyer la famille euh, peut-être que vous faites euh, peut-être vous avez envie aussi de faire des transformations euh, dans votre maison dans votre foyer etc ça pourrait également euh, et du coup bah, la réponse serait oui voilà tout simplement alors, ici, on a la clairvoyance euh, avec l'idée euh, bah de, de, de peut-être aussi euh, écouter votre intuition, justement, euh, avec l'œil ici de la clairvoyance, peut-être écouter votre intuition, euh, peut-être que vous savez au fond de vous euh, que c'est le bon moment, justement, pour commencer, entamer euh, bah, ces changements dans votre vie, peut-être que vous avez peur. Euh, mais on vous dirait ici d'écouter quand même votre intuition, euh, de vous écouter. Et en tout cas, avec la carte du oui, c'est peut-être bien le bon moment de foncer. Oh, les chibis nous parlent d'hiver. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus. Enfin, je ne crois même pas qu'on l'avait déjà eu celle-ci. Du coup, avec la carte de l'hiver, avec la carte peut-être de ralentir aussi. Peut-être qu'on vous dirait aussi de ralentir. Euh, c'est peut-être ça qu'il faut transformer. Euh, peut-être que vous êtes beaucoup dans le tumulte. Dans dans, parce que vous gérez peut-être énormément de choses dans, dans la rapidité, etc. Peut-être qu'on vous dirait que c'est justement ça qu'il faudrait transformer, un peu ralentir le mouvement avec la carte de l'hiver euh, pour justement peut-être profiter un peu plus de votre foyer, de votre maison, etc. Et que c'est peut-être le bon moment pour le faire. Voilà. Euh, parce que la carte de l'hiver, ici, ce serait plutôt euh, ralentir euh, une période de repos, etc. Donc c'est peut-être ça aussi. Ça pourrait également. Alors, ici, on a le hiérophante. Euh, le hiérophante, c'est celui, euh, c'est un petit peu euh, comme un professeur. Hein, euh, peut-être euh, bah, peut que vous devez, euh, peut-être que peut ça, ça fait penser aussi à, à l'enseignant. Hein. Euh, je vais regarder qu'est-ce qu'on me dit d'ailleurs euh, sur le hiérophante. est hum, ouais, des conseils, euh, écouter, se faire entendre. Ça peut aussi être une formation, peut-être aussi, ça pourrait également euh, que vous allez peut-être ralentir le mouvement, vous avez peut-être envie euh, d'apprendre de nouvelles choses justement pour évoluer, euh, ça pourrait également, euh, ou alors euh, se faire entendre aussi, peut-être que vous, oui, se faire entendre, ça pourrait aussi coller, euh, que vous allez peut-être euh, ben, euh, faire savoir autour de vous que maintenant, il est temps pour vous euh, de, de faire quelque chose de nouveau, peut-être de ralentir le pas et de profiter un peu plus de votre foyer comme ben, les gens qui prennent, qui, qui décident de travailler un jour de moins par semaine pour profiter de leurs enfants, de leur famille, etc. En tout cas, c'est oui, c'est le bon moment pour le faire. Ici, on a le prunelier, il y a mieux pour toi. Malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résiste plus et fais confiance à ta magie. Ben voilà. Euh, J'ai envie de dire, au fond de vous, vous devez savoir qu'il y a des choses euh, dans votre vie qui ne vont plus très bien, hein, qui sont peut-être plus adaptées et que vous avez envie de transformer. Et au fond de vous, ben, euh, vous savez euh, que vous allez devoir trouver une nouvelle orientation. Euh, quelque chose de différent euh, et euh, en tout cas là c'est le bon moment pour le faire donc cette carte colle très bien avec le reste aussi voilà pour ces énergies pour la semaine qui arrive. Encore une fois, bah, de drôles d'énergie un petit peu, c'est pas les meilleures. Hein. C'est pas trop. Euh... Enfin, c'est vrai qu'elles sont lourdes pour le moment. Voilà. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.